Pizza Express, bonjour. Oui, monsieur. Oui, absolument, nos pizzas sont livrées en 45 minutes chez vous, monsieur, oui. 45 minutes, c'est trop long. Vous êtes pressé? D'accord. Vous êtes animateur télé et vous n'avez pas l'habitude d'attendre. Ok. Un melon, le mec. Et dites-moi, vous êtes connu, c'est quoi votre nom? Bruno Guillon. D'accord. Alors, vous n'êtes pas non plus hyper connu non plus, donc en fait, c'est pas... Mais dites-moi, vous êtes un gros mangeur? Ouh là là, ah oui, quand même. Mais ça rentre, ça? Et comment vous faites? Non, mais j'ai pas envie de savoir. Donc, oui, et si vous ne mangez pas dans les 2 minutes qui viennent, vous allez devenir agressif, d'accord? Mais agressif comment? Ouh là là, ah oui, quand même. Et ça rentre, ça? Et vous faites comment? Non, mais j'ai pas envie de savoir. Pardon? Ah, vous voulez une pizza parce que vous aimez bien faire l'amour avec votre copine avec des aliments, d'accord. Mais l'amour, comment? Oh là là, ah oui, quand même. Mais ça rentre, ça? Vous faites comment? Non, mais j'ai pas envie de savoir. Bon, donc, vous êtes pressé. Alors, si vous êtes pressé, je peux vous proposer, monsieur Guillon, notre formule pizza drone. C'est une pizza livrée par un drone. Du coup, c'est très rapide. En revanche, comme la pizza ne tient pas en entier sur le drone, on vous livre les ingrédients un par un et vous vous démerdez. Ça vous va? On part là-dessus? Ok, alors vous êtes où, monsieur Guillon? Vous vous situez où? Comment ça, en face de toi, connard? Ah, mais oui, vous êtes là! D'accord, très bien, monsieur. Bah, du coup, je vais raccrocher, on va se parler directement, monsieur Guillon. Je serais même un petit peu tenté de vous balancer les ingrédients directement comme ça, mais... Je me doute. Mais... Attendez, parce que... Mais nous allons utiliser un drone, monsieur Guillon, car on ne vous ment pas, chez Pizza Express, nous avons un drone... Wow. Attendez, il n'a pas décollé. Nous avons un drone qui est composé de 4 hélices qui permettent non seulement au drone de voler, mais également de hacher les aliments, les champignons, le jambon et les doigts. Nous avons également une caméra frontale qui permet, et je ne vous mens pas, vous voyez, j'ai un retour sur ma tablette tactile, monsieur Guillon, et j'ai une caméra, vous voyez, on voit ma main. On peut voir également le jury. Voilà, ça permet d'identifier le client pour voir si les clients, eh bien, celui dont on parle. Et toujours issu des technologies les plus modernes, monsieur Guillon, nous avons une assiette en carton pour poser la bouffe. Voilà. Alors par contre, il ne vole pas, hein. Évidemment, il faut le porter à la main. Du coup, ça limite les livraisons un peu lointaines. Hein. Faut que le client soit à moins de 10 mètres. Je peux appuyer sur n'importe quel bouton, ça ne décolle pas. Ah si, ça décolle. Bon. Alors, c'est dingue. Quels ingrédients vous voulez, monsieur Guillon, dans votre pizza? Vous voulez quoi dans votre pizza? On va mettre des champignons. Champignons, ouais, c'est bien. Des champignons, alors. Ouais. On va mettre des champignons dans la pizza de monsieur Guillon. Hop. Voilà. Merci. Et je viens vous livrer donc vos champignons. Alors vous allez s'il vous plaît monsieur Guillon délicatement récupérer ouais, délicatement alors... récupérer les champignons. Mais non, pas la salade. Mais moi je croyais qu'il fallait prendre l'assiette. Mais pas l'assiette, applaudis. Mais tu fais le sketch. Mais pas l'assiette. Je me suis déjà bousillé le pouce avec ton invention à la con. Oh, dites-moi, il y a un réseau Wi-Fi Laurent Ruquier ici, mais, oui. Mais il est toujours là, Laurent. Il est en loge. Il est toujours dans le coin. Il vient de temps en temps comme ça. Non, je viens juste utiliser votre Wi-Fi. Faites comme si j'étais pas là. Donc, on en était où, monsieur Guillon? À la livraison des champignons. Voilà, vous m'aviez demandé donc des champignons. Je vais essayer d'être dans la même énergie que tout à l'heure. Voilà, et donc je viens vous livrer mon petit champignon. Merci, monsieur. Monsieur Guillon, vous allez délicatement prendre les champignons. Oui, faites alors, attention. Je sais que vous n'êtes pas bête, mais vous ne prenez pas l'assiette qui est scotchée. Ça ne me viendrait pas mieux. Vous prenez juste les champignons, hein. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors ensuite. Merci. Qu'est-ce qu'on met d'autre dans votre pizza, monsieur Guillon? Écoutez, on va mettre du jambon. Oui, du jambon. Du jambon, je vous propose, hein, vous me dites. Allez, on va mettre du jambon. Et pour le jambon, monsieur Guillon, oui. Je vais vous proposer. Oui. Voilà, je vais vous proposer une forme de livraison un petit peu plus originale. Dites-moi. Qui est la livraison looping.
C'est-à-dire que, au lieu de mettre vos petits doigts boudinés au-dessus de l'assiette, je vais me placer au-dessus de vous. Oui. Et je vais faire un looping qui va rester à votre pupille. Ouais, je tiens, j'ai pas encore envie de ressembler à... Et je vais faire un looping qui va vous lâcher. Qui va mon jambon. Bon. Magnifique! Bravo! Mais dites-moi, j'y pense, monsieur Guillon! Oui! Je pense à un truc! Dites-moi! Vous allez vouloir un peu de sauce tomate? Non! Alors non! Alors, moi, non, parce que ça me donne des aigreurs! Je vous propose une petite livraison looping de sauce tomate! Mais non, vous savez bien que j'aime pas ça! Vous savez que j'aime pas ça, la sauce tomate. Je sais ici, moi. Le parrain, non. Au revoir. Non, tu vas pas le faire. Hein, je vais pas le faire. Non, si, tu vas le faire. Et vous avez des voisins qui ont faim ou pas derrière ah, vous? Ah oui, là, oui. Là. Où là-bas? Alors. Oui. Et qui c'est, dans les voisins là, qui c'est le plus drôle de l'émission? Qu'est-ce que vous pensez de Jérémy Ferrari? Ah, j'ai vu des yeux briller chez une jeune fille. Ça va? Messieurs, dames, la partie la plus difficile de ce sketch, et monsieur Guillon, vous en êtes témoin, c'est de faire atterrir ce merdier sans qu'il tombe. Je propose à tout le monde que si j'arrive à faire atterrir ce drone sans encombre sur la scène du Moulin Rouge, allez, une standing ovation. Vous jetez vos culottes et vous jetez vos soutiens-gorge. Allez. Yeah! Merci beaucoup, bye bye. Arnaud Sameur. Dès qu'on ne demande qu'à en rire, retrouvez vos humoristes préférés, les sketchs cultes et les nouveaux, les vidéos exclusives, les coulisses, alors abonnez-vous.